Congo Avenir. Bote Nabino Bandeko Balandi à Congo Avenir Télévision, Topé Sibino, merci partout dans le monde. Wapi Sikani Nbozako Landabiso. Merci pour la confiance, la fidélité au Bozanango, la chaîne Nabiso Congo Avenir Télévision. Un seul point toko lobela na masolo nabiso un moment où tu es bibiso nyoso très bien que la 49e session de l'Assemblée des parlementaires de la francophonie oyo efungwamaki na Canada kuna na Montréal. Le président de la chambre basse Vital Kamerhe a komaki dimanche, donc masolo fungwamaki lundi. Délégation mounene vraiment au Ekendaki et puis ensemble on a tout signalé présence il y a secrétaire général de l'organisation internationale de la francophonie au Ekambamaka na Louise Mushikiwabo oyo aza rwandaise boyebi très bien et bandeko communication otoye nango bia ko informer bino ezanini mokolo ya lundi ezalaki kafu kafu parce que l'Assemblée parlementaire l'OBIP et donc ça va prendre 3 à 4 jours donc ils en mais lobby hein, et qu'on a vraiment kafu et qu'on a vraiment kafu journée il y a le mardi et qu'on a vraiment kafu mais pour la lobby Vital Kamerhe ami Kao la secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie Louise Mushikiwabo à part Vital Kamerhe ba journaliste ba Betty Kao a sali crise et je ne pense même pas que donc je crois ba même qu'un hôpital et tisiko je ne pense même pas que à Siliko Lamuka et Zalaki vraiment débat moko oulé entre Yéna Vital Kamerhe parce que Vital Kamerhe le pas lâché donc Vital Kamerhe a tiki était a kangi vraiment tabac na ba corne naie et Louise elle était vraiment humiliée dans la salle donc ngana koloba mingi te na ko tiela bino extrême bomona comment est-ce que le président le chef de la délégation ya ba sénateur oya biso lorsqu'azo ki parole tango azako lobanaye surtout toyebi question oyo eza na table question ya agression oyo Rwanda azako bomba maliso soté agression rwandaise oyo abatami na sima ya ba M23 abatami te akomi ko s'afficher abakisi na ba troupe na ye encore na soutien na ye encore na M23 donc toyebi azako bomba maliso soté boyebi yango très bien biso soyebi yango très bien avant que au même moment tango réunion za ko salama na Canada na Montréal il y a assemblée nationale assemblée de parlement de la francophonie tango za ko salama au même moment kuna pe na New York na Nations Unies ba outi encore pour la énième fois bandeko ko condamner le Rwanda et cette fois-ci avec l'Ouganda. Pourquoi l'Ouganda facilite bah rebelle facilite bah union sur base pour nous combattre ça mboka na biso République démocratique du Congo à l'exemple de Corneille Nanga bah Ouganda le facilite bah utaka kuna bah yakokota bah ça la déclaration parce que je vais vous souligner peut-être bozo koye baté ceux qui bozo koye baté na masolo na biso maintes fois na lobela kayango que bananga bah chef union sur même bah M23 ti bayaka basali ba déclaration bakangisi ba photo balalaka na République démocratique du Congo te ils sont là soki ba libasa la activité moroboé nde baye ba koti na bamboka wana allez ba filmer bango ba pesi message na bango na pourquoi ba bimi ba keyi parce que soki balalaka awa mais déjà to ziki sa bango mais déjà drone ziki sa bango une fois ba repéraka là où nanga hôtel où nanga dormait c'est parce que à Kendara kola les sika population azala kebele yango na moyen drone chinois et frapper bango ezala et frapper ezala kate donc Vital Kamerhe lors de sa prise de parole il a classé mot à mot devant CG il y a OIF Louise Mushikiwabo était humiliée la dame là elle était humiliée. Eux, avant, Toya, na eloko mususu teke mususu toko pasula o toko fongola na nene bozela boyo kanano lorsque Vital Kamerhe malgré tout cela boyoka interview donc na salle ndenge zalaki réunion wana tamba congolais ba zwaki maloba Vital Kamerhe en tant que chef à délégation mobimba président il y a chambre basse na biso ya parlement à pesa résumé il y a Masolo na ningezala qui puis na sima beaucoup zoboyoka comment est-ce qu'elle interview donc ba boyi ba journaliste na biso ba accéder na salle mais félicitations na bandeko tout bazakuna John Lungila Kanza Ozui Patikeri donc ba journaliste congolais oyo bazala qui on ebelé ils ont pu arracher l'interview avec la dame donc Azala qui déjà après interview à sa crise à Lingi même à Boya pour répondre même donc au bâton de la délégation du Rwandais qui donc ils étaient là Baboye à répondre mais comme donc elle n'avait pas le choix la pression était vraiment là au rendez-vous et elle a fait finalement répondu à ma question et ma journaliste bisoto et bien tout ce qu'elle monopole bo yeba oyonini ezalaki interview message ya Vital Kamerhe et puis interview comment est-ce que bah journaliste ils ont pu arracher l'interview avec CG il y a OIF oaza rwandaise Louise Mushikiwabo. Pour préciser une chose, je regrette que la délégation de la RDC soit parmi les plus faibles, la plus forte. Nous sommes au total 8 députés et 2 sénateurs. Au moment où les pays hôtes font la quarantaine, la France plus au moins 40. Ce qui fait que des commissions ont connu l'absence des délégués de la République démocratique du Congo, puisqu'ils ne peuvent prendre part aux travaux que des députés ou des sénateurs. Ceci dit, nous n'avons pas encore donné notre message au niveau de la tribune, mais nous avons commencé la diplomatie parlementaire. Quand nous allons finir cet échange avec la presse, nous allons rencontrer les présidents des assemblées nationales et des sénats de l'Afrique pour avoir une stratégie commune en ce qui concerne la diplomatie parlementaire, parce que pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que des pays africains voisins de la République démocratique du Congo sont sur le territoire congolais avec leurs troupes et les lances missiles comme on l'a dit ce matin, si mais les armes sophistiquées, rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroriste des M23 ont fait des dégâts évalués par les experts des Nations Unies de plus de 500 000 personnes. Un drame humanitaire. Mais le même rapport des Nations Unies parle de plus de 10 millions de morts dans la ville de Mbata. C'est un génocide oublié. Et nous, en tant qu'élus du peuple, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous avons l'obligation de dire haut et fort notre désapprobation face à ce silence assourdissant de la communauté internationale. Et nous engageons l'OIF à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie de hausser le ton et de pousser les pays qui ont une certaine influence sur les agressions de la République démocratique du Congo à prendre non seulement des mesures coercitives contre ces deux pays, mais des sanctions, et de vraies sanctions. Et nous, nous sommes dans la République démocratique du Congo, nous n'avons jamais traversé la frontière ou les frontières communes avec le Ghana et le Rwanda, parce que le président de la République, dès son avènement au pouvoir, a prôné la paix et il voit l'Afrique qui est en train de s'élever et marcher et avec comme épicentre la République démocratique du Congo. J'avais dit la locomotive. C'est cela le message de la République démocratique du Congo. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, nous protestons de la manière la plus énergique, de voir que Madame la Secrétaire Générale de l'Organisation internationale de la francophonie a parlé des conflits dans le monde, en énumérant les pays. Je préfère croire que c'est un oubli plutôt qu'une façon subtile de ne pas citer la présence des troupes rwandaises sur le territoire congolais ou les troupes ougandaises. Mais nous allons, croyez-nous, donner un message très fort demain Ce message est attendu par plus de 390 participants à cette salle. Il n'y a pas meilleure tribune que ça, puisque ce sont des élus du peuple de leurs pays respectifs. Ils vont ramener ce message, puisqu'il y a des pays au monde qui nous disent qu'au moment où nous parlons, on est en train de les tuer dans le Nord Kivu, dans l'Itourie, en République démocratique du Congo, à part les armées venant de l'Occident ou de l'Asie, de l'Amérique, mais pas les voisins immédiats de la République démocratique. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique doit aimer l'Afrique, l'Afrique doit tourner la page des atrocités et voir comment projeter ce continent béni par Dieu dans l'orbite du développement. C'est cela notre mission ici. Madame, pourquoi vous n'avez pas dit ça? Non, comment on va commencer une interview? C'est la fin de la Madame, je peux vous une question de la presse, s'il vous plaît. Madame, excusez, juste une question de la presse, s'il vous plaît. Juste une question de la presse. On recule. Juste une question. On recule. Ah, d'accord. Merci. Juste une question, s'il vous plaît. Madame, de la francophonie, vous avez cité le pays qui ont des problèmes de sécurité sans la RDS, on peut savoir si c'est par oubli ou bien c'est volontaire. On recule. Moi j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées par la parlementaire. La RDC est un pays important de l'espace francophone. Mais vous ne l'avez pas cité malheureusement. Bien sûr, j'ai cité la RDC, j'ai parlé des projets qui sont dans le domaine du climat et de l'environnement. C'était parmi mes... Mais pourquoi pas la Rwanda est accusé d'être agresseur de la République démocratique du Congo. Votre pays, qui est membre de la francophonie aussi comme la RDC. Est-ce que vous allez porter... Comment vous réagissez-vous d'abord? Passez-vous. Votre réponse, s'il vous plaît. Alors, on veut une réponse, s'il vous plaît. Allez, je vous donne la réponse. Vous êtes ressortissant d'un pays agresseur de la République démocratique du Congo, membre de la francophonie. S'il vous plaît, ces questions-là, il ne faut pas les poser. Non, les faites en solution, monsieur. On y va. Elle est en train de répondre, s'il vous plaît. Elle est en train de répondre. D'une organisation, quand même. Elle est en train de répondre. Ce que vous faites, ce n'est pas normal. Madame, elle est en train de répondre. Oui, c'est poli. S'il vous plaît, madame, votre réponse, s'il vous plaît. Madame, votre réponse, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, ma réponse, c'est que, en tant que secrétaire générale de la francophonie, moi, je souhaite la paix. Je souhaite que les frères et sœurs congolais, puisque je suis voisine du Congo, puissent vivre en paix et que pour cela, il faudrait que les décisions qui sont prises à travers les différentes médiations puissent être appliquées par tout le monde. Voilà, bon, Sylvie Koyoka, comment est-ce que le président de l'Assemblée nationale souligne bien que, donc, même délégation à Bango, Bazalaki Mouké, Bazala Kimouké, ils sont 8 députés et quelques sénateurs. Donc Bazala Mouké, par rapport, il y a Bambo Kanyon et Yaki, na assemblée parlementaire francophone na Canada, na Montréal. Et Bouyoki, indignation, il y a Vital Kamerhe parce que lorsque Louise Mushikiwabo, CGA OIF, cité Bambo Kao Nyonso, Bazala menacé, na ba troupes armées, Nyonso Bazala subir, ba guerre moko injuste aboyi ko citer RDC na makambo oyo Rwanda a zosala RDC et pour nous pour moi bandeko eza eloko eza ya sikate parce que qu'est-ce que vous allez qu'est-ce que vous avez voulu entendre na mutandengo na Louise Mushikiwabo parce que la dame là avant azala CG yana ni muta placer wana Kagame influence à Kagame ndé et salaye azala na esika wana et cette dame là c'est une Rwandaise qui obéit à Kagame et elle ne paie jamais donc il tokokia ta kozela ngote atana idée mon côté donc atana makanisi ezala abso na moto te que cette dame là peut condamner son pays devant vous à kosala yango te elle ne peut pas citer eux Boyo qui a très bien lorsque les journalistes, parce que Bandikonabiso, félicitations aux journalistes, ils ont pu quand même réussir 20 secondes de l'interview. 20 secondes, il y a interview où Bozoyoka. Même les journalistes l'ont soulevé à citer RDCT. Mais hier, Azakolobake, non, j'ai cité la RDC et je pense que toutes les résolutions, Bozela, na tangilabino phrase na ya sukawana makambo donc elle souhaite que toutes les résolutions prises dans le cadre de la médiation pour la crise à l'est soient appliquées mais atana et une minute une seconde à côté kalaka ko citer kombo ya Rwanda et ekosala mate parce que kombo ya pays na bango ya nation na bango akoki ko citer honte parce que si elle cite ça Kagame va la tuer. Donc, Kagame a Kolongolaï et a Koki Kolobane Mate. Vous sentez le niveau ya Pema après interview à sa crise parce que les journalistes vont pousser à l'oba. Vous quand même bateau qui accompagné par Lingi Boyaye à Salanini à l'obate. Et comme déjà les caméras étaient braquées sur elle, le projecteur, et Zalaki braqué sur elle, elle n'avait plus de choix. Donc, nous sommes congolais. Félicitations, Namusala Makasi Oebosali. Cette dame-là, pour moi, ça ne m'étonne pas. J'allais encore, donc j'ouvre une parenthèse dont je vais enfermer d'ici là. La dame-là, Toyebi Awa, n'a joué en francophonie Awa Panabiso. Elle devait être là parce que c'est elle la secrétaire générale. Il y a l'Organisation internationale de la francophonie. Boyebi Elonine Lekanaki. Il n'en est passé, hein, parce que c'était au mois de juillet, il y a 2023, à Boyakouya, parce qu'il y a eu Awa, à Kozala, à l'Est, à Boyakouya, qu'on lançait GAWA dans Bokanabiso, à Boyakouya, à Boyakouya. Et, je crois, vice-présidente ou bien deuxième secrétaire, Moutayaka qu'on lançait. Donc, il y a à Boyaka, Yangowana, il n'y avait rien de spécial au Yotolengwe Koyoka. Namunoko ya Louise Mushikiwabo parce que bomoni pema et Mathieu au même moment assemblée parlementaire francophone et bande ko salama na États-Unis kuna bozoka bituki ta comment est-ce que baiko condamné encore une fois de plus le Rwanda pour son soutien na ba M23 ils ont condamné encore Ouganda parce que à facilité en décembre 2023 na Kenya lorsqu'il a lancé qui mouvement AFC et bango nyonso baza ko bomba mapi kuna na Uganda ndé aza ko facilité bango yango ngai lorsque le fils de Museveni là était venu ici chez nous na sepela na yangote ba yambaye un triomphe à Kota na este chiwewe yambaye ba biloko wana na sepela na yangote même une négociation je ne sais pas ma solo oyo République démocratique du Congo et kendaki ko solo là na Tanzanie na Rwanda bomoni koto boza ko solo là bozo zo ba décision et koto yo batu na bango baza pe ko sala makambo na ndenge mosusu pour ke ba clouer bino ba bimisa bino ke bozo ya ko bondela bango or eza makambo ko bondela te soki bozo e ba lisusu Sama Lukonde étant premier ministre et loko mo ezalaka je crois en Afrique du Nord je crois en Égypte aboya ko kangisa photo pembeni ya Kagame na mwasi wana Louise Mushikiwabo Sama Lukonde alongwa na photo wana donc boye ba ke entre Bissona Bango, guerre, donc la guerre est ouverte. Eux, une très bonne message. Non, et un très bon message. Nalinga Guinée Sabino, c'est quoi? na page officielle, il y a X, il y a chef de l'État, il a bel et bien mentionné qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, cette phrase-là a tout dit. Phrase ou un message Oyo, le chef de l'État a tout dit. Et dans les jours à venir, il faut tous à la près. Parce que, Kimia, Bissona Rwanda, Toko, Bangana Kakaka, Soki, Tobetadi, tant qu'il est Tobetadité. Tant que loko ya kala lorsque maréchal Mobutu azalaki baba kambo bande ko sala lokola elongwa bango na mutu yango wana babanga ka lesosute. Donc pour moi c'était pas quelque chose du nouvelle on a ngana yoka na munoko ya Louise Mushikiwabo parce que to yebiye na francophonie a sabota ayate et vous pensez que a cité mboka na bango que non bango donc ce sont des agresseurs et bimana munoko na ye aussi longtemps, pas du tout. Raison pour laquelle to martela Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, bossala voyage au lieu de saper les caisses de l'État, mais sur le mboka et kenekobeba. Voilà maintenant, balingi ba grand tribunal on a évité donc balatino tenir à poto comme au lobby que donc l'élo mardi. Message nabino ya makasi ekozala ifo bayoka yango toyebi yope komenske o salaka makambo. Donc pour nous, pour moi, donc là ça n'engage que moi na mona ki voyage wana bonaki bozala bienvenue parce que cette dame là boyebi ba position na ye. Donc Kagame ni lokola a joua ke azalawana parce que bango apparemment ils ne sont plus pays un pays francophone bah comment un pays anglophone comment est-ce que ba kende kucha une anglophone na makambo ya ba francophone bozomo na comment est-ce que les choses dans le monde na mokilio comment est-ce que makambo et comment contourner. Donc lobby coup de chapeau na ba journaliste ou des chapeaux de la délégation, et tout le monde a été belé, rapporteur Julia Zalaki, tout le monde prof Mbata, honorable Ogi Kalonji et d'autres sénateurs. Donc, Zalaki na délégation, na ensemble parlementaire francophone, Oyo Eza, Kosalama, na Canada, na Montréal. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bo Tikala, ma lame. Merci. Congo Avenir.